بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu en faire un modèle de perfection, un modèle parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran en se référant à son akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah il dit, nous avons fait de toi une créature avec une noblesse de comportement, de caractère grandiose. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une noblesse de caractère, un akhlaq qui n'a pas d'égal dans aucune créature de ce monde. Si le zat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la création de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tant que créature est aussi élevé, eh bien le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est également très élevé. Allah dit dans le Coran, wa rafa'na laka dhikrak, que nous avons élevé ton rappel, le rappel de ton nom. Wa rafa'na laka dhikrak. Lorsque Adam alayhi salam, pendant 40 années, il était dans le sijda, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de son erreur, jusqu'au jour où, en prenant le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son pardon. Allah lui demande, mais comment se fait-il que tu connais le nom de Muhammad? Il n'a pas encore été créé. Comment se fait-il que tu connais son nom? Adam alayhi salam répond, « Oh Allah, le jour où tu m'as créé, j'ai levé la tête et j'ai vu que sur ton trône il était écrit « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » et j'ai vu qu'à côté de ton nom, tu as écrit le nom de Muhammad. Et là j'ai compris que si tu as fait cela, c'est que ce nom, cette personne a une valeur inestimable auprès de toi. C'est l'être le plus cher que tu aimes le plus. » Si l'on regarde le kalima la ilaha illallah, cette phrase se termine par Allah. Et la phrase suivante, Muhammadur Rasulullah, commence par le mot Muhammad. Allah et Muhammad sont juxtaposés. Dans le kalima, Allah et Muhammad sont juxtaposés. Allah a mis juste à côté de son nom, le nom de Muhammad. Pour montrer son amour, pour montrer son estime, et pour montrer la sublimité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Que Allah subhanahu wa ta'ala et les anges envoient des salats sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La salat d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le rahmat d'Allah. C'est également l'élévation de la position de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la salat des anges sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'istighfar. Les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'istighfar des anges, comme Allah est éternel, et bien ces éloges sont également éternels. Le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Le nom de Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est également éternel. Ensuite Allah il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Mes chers frères, si nous avons un business qui marche bien, nous avons un commerce qui marche très bien, et une personne, et on désire avoir un partenaire dans ce business. On propose à une personne de venir notre partenaire dans un business qui est florissant, qui apporte beaucoup de profit. Est-ce qu'une personne va se poser des questions, va refuser la proposition? Automatiquement, elle va accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande ici de devenir son partenaire dans l'éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demande de se joindre à lui et aux anges pour faire les éloges de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui croyez, sallu alayhi wa sallimu taslima. Envoyez les durud de salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous accompagne durant toute notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Lorsqu'on est né, on a lu le adhan dans notre oreille droite et le iqamat dans notre oreille gauche. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lorsqu'on a posé notre corps dans la tombe, on a lu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Les premières paroles qu'on a prononcées, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lorsque nous étions enfants. D'après un hadith, lorsqu'une personne prononce comme première parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et comme dernière parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah pardonne tous les péchés entre ces deux moments. Le nom de Muhammad est en permanence dans notre vie quotidienne, mentionné en permanence dans notre vie quotidienne. 5 fois par jour, au moins, une personne dans la salat, dans la at-tahiyyat, elle fait les éloges de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il a élevé, il a rendu le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le zad de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme la plus parfaite, et il nous enjoigne à faire les éloges, à lire les durouds sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On aura, en envoyant des durouds sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 3 grands bienfaits. Le premier bienfait, c'est les récompenses. Les récompenses qui sont énormes, considérables. Il est dit d'après le sens d'un hadith, Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashara ou comme qala alayhi salatu wassalam. Lorsqu'une personne envoie un durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur cette personne 10 rahmat. 10 rahmat pour un durud. Un durud, c'est facile, c'est court, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un durud, ça ne coûte rien. Ça ne demande pas des taxes. Ça n'a pas de conditions. On peut lire le durud au moment du zawal, au moment du lever ou du coucher du soleil, alors qu'on ne peut pas faire la salat pendant ces moments-là. On n'a pas besoin de qibla pour lire le durud. Il n'y a pas de divergence, d'ikhtilaf sur le durud, sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plus encore, les durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont acceptés à 100%. À 100%, lorsqu'une personne envoie un durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala immédiatement, sans retard, il délègue un ange pour présenter ce durud devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après le sens d'un hadith, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ce moment-là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la vie pour répondre à ce salam. Les durud, mes chers frères, sont faciles et les récompenses sont énormes. Les récompenses sont considérables. 100% acceptées, même si le niyat de la personne n'est pas sincère. Même si le niyat de la personne est pour honneur, pour recevoir l'honneur, un niyat qui n'est pas correct, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera son durud à 100%. D'après le sens d'un hadith, il est dit que celui qui envoie un durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kutiba lahu 'ashru hasanat, il sera écrit pour cette personne 10 hasanat, 10 récompenses, wa hutta 'anhu 'ashru sayyi'at, il sera effacé du compte de cette personne 10 péchés. Wa rufi'a lahu 'ashru darajat, et cette personne sera élevée de 10 degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un durud, 10 récompenses, 10 péchés effacés et 10 degrés élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les récompenses sont énormes, considérables. Une fois, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu vint voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je fais beaucoup de durud pour toi, ô envoyé d'Allah. Combien de mon temps dois-je consacrer pour le durud, pour tes salutations? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, machaita, ce que tu veux. Alors il dit, Ubay ibn Ka'b dit, radiallahu anhu, le quart, je donnerai le quart de mon temps pour le durud. Rasulullah me dit, si tu veux, mais si tu fais plus, c'est encore mieux. Alors il dit, je donnerai la moitié de mon temps pour le durud. Rasulullah me dit, si tu veux, mais si tu augmentes, c'est encore mieux. Alors Ubay ibn Ka'b dit, je donnerai alors 2/3 de mon temps pour le durud. Rasulullah me dit, si tu veux, mais si tu fais plus, c'est encore mieux. Alors il dit, je donne tout mon temps pour le durud. Tout mon temps sera consacré uniquement pour les salutations sur toi, envoyé d'Allah. Rasulullah lui dit, alors cela sera suffisant pour toi, pour tous tes soucis dans ce monde et dans l'au-delà, et cela effacera tes péchés. Combien de récompenses on obtient? Combien de récompenses Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les durud pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Une fois, une personne vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, il dit, ô envoyé d'Allah, j'ai des difficultés financières, j'ai des problèmes de subsistance, que dois-je faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsque tu entres chez toi, fais le salam. Même s'il n'y a personne, fais le salam. Qu'il y ait des gens ou pas, fais le salam. Ensuite, lis
la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et ensuite, envoie les durud sur moi. Fais le salam, lis la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et ensuite, envoie les durud sur moi. Il a mis en pratique ces recommandations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a envoyé tellement de barakat, tellement de miséricorde, tellement d'abondance dans sa subsistance, que sa subsistance était suffisante pour lui-même, pour toute sa famille et pour ses voisins. Il a eu de quoi, comme subsistance, de quoi subvenir à ses propres besoins, à ses besoins de sa famille, aux besoins de sa famille et aux besoins de ses voisins. Deuxième grand bienfait qu'on aura lorsqu'on enverra le durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le muhabbat. Allah, il nous dit, il nous enjoint de créer, d'entretenir, de rechercher l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de notre cœur. Mes chers frères, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra, il a immigré vers Madina. Lorsqu'il a immigré vers Madina, il était en compagnie de Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Il a passé 3 jours dans la grotte de Sor qui était à quelques kilomètres de Mecca. Aujourd'hui encore, on peut aller au pied de cette montagne où se trouve cette grotte. On imagine la scène, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de gravir cette montagne. C'est une montagne recouverte de pierres basaltiques noires tranchantes. L'accès est extrêmement difficile. Une montagne répulsive, personne n'oserait gravir cette montagne. On y mettrait des heures pour atteindre la grotte qui se trouve en haut de cette montagne. Nous imaginons la scène de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de fuir sa famille, en train de fuir son peuple, en train de fuir son qawm, laissant derrière lui la ville la plus chère, l'endroit pour lui la plus chère au monde. Avec Abu Bakr radiallahu anhu, il gravit cette montagne, il trébuche, il tombe, il se coupe, il se relève, il trébuche, il tombe, il se blesse. Abu Bakr radiallahu anhu, en voyant cela, il porte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur son dos. Il porte le corps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur son dos, le poids de la prophétie sur son dos, et il gravit cette montagne. Mes chers frères, les sahaba pouvaient voir leurs frères, leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses mutilés, se faire déchiqueter pour la cause du dîn. Mais ils ne pouvaient pas accepter de voir, leur cœur ne pouvait pas supporter de voir une goutte de sang, une égratignure, une blessure, une piqûre d'épingle sur le corps moubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'amour qu'ils avaient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Omar radiallahu anhu, il vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu, il lui dit, oh Abu Bakr, je suis prêt à te donner toutes mes actions, toutes mes bonnes actions en échange de quelques instants que tu as passé à la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte de Sawr. Toutes mes actions, je suis prêt à les donner, seulement pour quelques instants, cette chance inestimable que tu as eue de passer quelques instants de cette grotte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était qui Omar radiallahu anhu? Law kana nabiyya ba'di la kana Omar. Ou comme encore alayhi salatu wa sallam. S'il y aurait eu un prophète, Rasulullah m'a dit, s'il y aurait eu un prophète après moi, cela aurait été Omar radiallahu anhu. Et c'est ce même Omar radiallahu anhu qui dit à Abu Bakr radiallahu anhu, je suis prêt à tout te donner, toutes mes bonnes actions, en échange de la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quel amour ils avaient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, il est dit, Inna awla al-nas bi yawm al-qiyama aktharuhum salata. Ou comme encore alayhi salatu wa sallam, que la personne qui sera la personne parmi les premiers au jour de Qiyama sera la personne qui recevra, qui en aura envoyé sur moi le plus de durud. Les ulama, ils interprètent Aulannas par différentes significations. Aulannas peut signifier la personne qui sera la plus proche de moi physiquement. Cela peut vouloir dire également la personne qui sera la plus proche de mon cœur. Cela peut vouloir dire également la personne qui aura le plus, qui bénéficiera le plus de mon intercession au jour de Qiyama. Donc la personne qui va envoyer le durud, le plus de durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne aura la proximité la plus proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la proximité de dans sa proximité dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la plus grande intercession
le plus grand nombre d'intercessions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à quelles conditions? D'avoir envoyé le maximum de durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième grand bienfait des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'une personne verra sa position élevée. Les durud vont élever la position d'une personne. Une fois, une femme vint voir Hassan Basri rahmatullah alayhi, le cheikh Hassan Basri rahmatullah alayhi, et elle dit: j'ai perdu ma fille il y a quelque temps et j'aimerais la voir dans un rêve. Quelle est sa condition, sa situation? Hassan Basri lui dit: tu vas, après la salat de Isha, accomplir 4 rakat de salat nafil et tu vas lire dans chaque rakat Alhamdu, Alhakum, Al-Takasur une fois. Ensuite, tu vas t'endormir et tu vas lire les durud jusqu'à ce que le sommeil te prend. La femme suivit les recommandations de Hassan Basri rahmatullah alayhi. Le soir, elle fait le rêve et elle rêve sa fille dans l'enfer, en train de souffrir, vêtue d'un vêtement de goudron. Les mains enchaînées, les pieds enchaînés avec les chaînes de l'enfer. Le matin, elle se réveille, elle est bouleversée, elle va voir Hassan Basri. Hassan Basri lui dit: envoie des sadaqas, fais des sadaqas, de la charité, peut-être cela va alléger, va améliorer la situation de ta fille. Le même soir, Hassan Basri, rahmatullah alayhi, il se voit dans un rêve. Il se voit dans le paradis. Et il voit dans ce paradis une fille assise sur un trône, extrêmement belle, dans le luxe, dans le plaisir, avec au-dessus de sa tête une couronne de lumière. Cette fille lui dit: sais-tu qui je suis? Hassan Basri, rahmatullah alayhi, lui dit: non, je ne sais pas. Cette fille lui dit: je suis la personne, la fille de la personne qui est venue te voir. Alors, Hassan Basri lui dit: mais ce n'était pas la vision que ta mère a eue de toi. Tu étais en enfer, en train de souffrir. La fille dit: effectivement, ce qu'elle a vu, c'était vrai. Mais entre-temps, un homme pieux est venu sur ma tombe. Et cet homme a lu une droud. Nous étions 70 000 personnes dans cette situation, dans l'enfer, en train de souffrir. Cet homme pieux a lu une salutation sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour notre sawab, pour notre récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son durud et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous délivrés, nous 70 000 personnes de l'enfer, et nous a accordé cette place au milieu du paradis. Ça c'est quoi? Allah va élever une personne par le durud dans ce monde et dans l'au-delà. Une fois, Moussa alayhi salam, à l'époque de Moussa alayhi salam, une personne est décédée. C'était une personne qui a mené sa vie dans le mal, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment de sa mort, les gens ne veulent pas l'enterrer. Il est abandonné, son corps est abandonné comme une charogne. Allah subhanahu wa ta'ala envoie la révélation sur Moussa alayhi salam et lui dit: va prendre le corps de cette personne, fais son roussal et enterre-le. Moussa alayhi salam lui dit: mais Allah, cette personne est abandonnée par tout le monde, une vie de mal. Fabima Azali, pourquoi cela? Allah dit: une fois cette personne avait ouvert la Torah, le livre des Juifs, et il a vu dans ce livre le nom de Muhammad. Et en voyant son nom, il a envoyé un durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seulement par cette action, par ce Muhammad, cette action que cette personne a fait, cette salutation, je l'ai pardonné et je l'ai accordé cette position que c'est toi le prophète de son époque, de son peuple, c'est toi qui vas faire son roussal et c'est toi qui vas l'enterrer. Mes chers frères, les durud vont élever les gens dans ce monde et dans l'au-delà. Si une personne vient nous voir et nous dit: je suis prêt à t'aider pour tes besoins financiers, je suis prêt à t'aider pour tous tes besoins, tu peux compter sur moi à 100%. Est-ce qu'on a besoin encore de bayan pour faire des éloges de cette personne? Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il nous a montré le chemin de le succès dans ce monde et dans l'au-delà, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin de la réussite, le chemin du paradis, la clé de du paradis et la protection de l'enfer. A-t-on besoin encore de bayan pour envoyer des durud sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? En ce jour de Jum'a, combien de durud avons-nous envoyé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Aujourd'hui, on est prêt à faire des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres de voyage, à dépenser une somme énorme d'argent pour aller rencontrer, pour aller pleurer sur le corps d'une personne qu'on aime, alors que cette personne ne nous montrera jamais la vérité. On est prêt à faire des heures et des heures de queue
pour assister, pour pleurer par amour sur le corps de cette personne. Et on sait très bien que cette personne ne nous montrera jamais le chemin du succès. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on n'a pas la chance d'aller à la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, ils ne savent pas où se trouve exactement le corps de leur prophète. Les chrétiens, ils ne savent pas exactement où se trouve le corps de leur prophète, le Isa, de Jésus. Dans les cieux, mais où? Nous, musulmans, nous savons où se trouve le corps de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Si nous n'avons pas la chance d'aller faire le salam devant la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors au moins, ne soyons pas avares d'envoyer des droûts sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit d'après le hadith, Al-Bakhilu man zukirtu indahu, falam yusalli alayhi. L'avare, c'est pas celui qui dépense pas, celui qui retient, celui qui n'est pas généreux. L'avare, c'est celui qui n'envoie pas des droûts sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on mentionne devant lui mon nom. Donc mes chers frères, les durouds sont faciles. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi alfa alfa mara. Allah envoie les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 1 million de fois. Allahumma salli ala Muhammad al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Une personne lit ce durood 80 fois après la salat de Asr, le jour du Jum'a, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera 80 années de péché. Donc mes chers frères, qu'Allah donne le tawfiq de comprendre la valeur des durood sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne le tawfiq de créer dans notre cœur l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah donne le tawfiq de mettre en pratique par l'intermédiaire des durood de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam toutes les sunnats de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.